Eh bien, Francis, on attend maintenant une action de l'équipe jaune. Ouais, qui ne devrait pas tarder, Jean-Pierre. Hein. Alors que l'on voit maintenant l'équipe rouge qui se prépare et qui va certainement tenter une action. Bon, là, je ne crois pas qu'il soit tout à fait prêt. Hein. Non, quel suspense, quel suspense! Petit tour du côté des bleus. Oui, très très belle concentration. Ah, je crois que c'est parti. Oh oui, oh là là, quel beau geste! Oui, c'est un doublé pour les rouges. Magnifique lancer de Mego. Quelle classe, quel naturel. Ah, c'est beau, il peut être fier de lui, le concurrent rouge. Hein. Ah oui, et ça enchaîne. Oh oui, double jeté d'emballage pour les jaunes. Alors, comment vont réagir les rouges? Ah oui, même pas un regard pour le Mego. Oh, très joli dédain. Et magnifique lâché pour les bleus. Oh là là, pensez à toutes ces particules de caoutchouc qui vont bientôt décorer nos mers et notre littoral. Ah oui, un geste de toute beauté, en effet. Ah, l'épreuve indoor, qui n'est pas la plus difficile, mais qui est néanmoins quelque peu technique. Tout à fait. Oh, Francis, c'est magnifique ce qu'elle a fait là. On revoit le ralenti. Oh, franchement, c'est magnifique, vraiment. Alors, je crois qu'un événement extérieur est en train d'accélérer le cours des oui, choses. Oui, un hein. petit coup de pouce va permettre aux mégots de l'équipe rouge de gagner plus facilement et surtout plus rapidement la mer, où ils pourront ainsi polluer chacun quelques 500 litres d'eau. Ah, quel beau score, Jean-Pierre, quel beau score. Écoutez, je vous propose d'aller faire un tour vers la ligne d'arrivée pour faire un point sur les résultats. Eh bien, Francis, nous voilà au point de ralliement des déchets avec l'arbitre, Monsieur Faubert. Oui, qui n'en est pas à son premier déchet. Oui, on passe au caoutchouc, attention. 14 débris de caoutchouc pour les bleus. Oui, 14 débris qui ont permis de tuer une dizaine de poissons. Excellent. Magnifique. Hein. Score de l'équipe violette maintenant. Oui, je rappelle que c'était le lancer de coton-tige, hein, Jean-Pierre. Oui, très important le coton-tige, monsieur l'arbitre. Oui, beau geste. Combien de points? 81 points, c'est franchement inespéré. Alors voyons maintenant le score de l'équipe rouge, lancer de mégot. Lancer de mégot. Monsieur l'arbitre, combien? 137 mégots, 137. Ah oui, je crois que c'est un record. Ah oui, bravo! Alors je vous rappelle que vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr tous participer à la pollution des mers et des océans. C'est très facile, que ce soit chez vous ou dans votre ville. On se retrouve dans quelques mois pour les épreuves d'hiver à la montagne. Ah, j'ai hâte, Francis, j'ai hâte! Chaque année, 6 400 000 tonnes de déchets sont déversées dans les mers et les océans. 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins sont tués par des déchets. L'important, c'est de ne pas participer.